Bonjour, alors je reviens de chez Action et j'ai tout versé sur la table. J'ai enlevé des trucs comme le dentifrice ou des machins comme ça. Mais bon, il reste encore des choses que j'ai achetées à Action qui ne sont pas du tout du scrap, hein. Plutôt de la gourmandise. Enfin bon, c'est des cacahuètes, là, je sais pas quoi. Ouh. Alors, ah oui, j'ai trouvé des petites assiettes en carton comme ça. Pour l'anniversaire d'Aurore, ça va faire bien ça. Pour le dessert et puis les glaçons aussi. J'ai pris des glaçons. Voilà. Bon, ça, on s'en fiche. Ah non, Mimi commence pas. Hein. Il y a ma minette qui commence. Bon, j'ai acheté encore du foil comme ça. J'ai pris de l'argenté. Alors. Bon, je ne vais pas vous dire à chaque fois le prix parce que le temps que je trouve sur ma liste, elle est un peu longue. Ça, je sais que ça coûte 99 centimes. C'est des petites perles. C'est pareil, c'est pour donner à des petites. Quand elles viendront pour les 30 ans de ma fille, je vais donner aux petites qu'elles fassent des perles. Ça les occupe. Elles feront des colliers. Voilà. Donc, ça, non. Des fleurs. J'ai pris ces petites fleurs. Elles étaient mignonnes comme tout. J'en avais pris d'autres, mais je ne sais pas où elles sont. Ah, elles sont là. Voilà. Donc, ce qui est dommage à Action, parce que je regrette à Action, c'est qu'ils ne font plus les plaques d'embossage. J'aimais bien, moi, les plaques d'embossage. J'adore ça, mais il y a longtemps qu'ils n'en ont pas refait. Je ne sais pas pourquoi. Oui, puis il y a des bonbons comme ça, là. Des bonbons. J'ai acheté ça. Dentelle, on les prix c'est pareil, je sais plus, hein. 94 centimes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 différents, et je sais pas, 5 fois 1 mètre, il y a 1 mètre à chaque fois de, j'aimais bien le blanc là, ce blanc il me plaisait bien, j'ai acheté bah, ce dice que vous connaissez tous, hein, je vous présente pas celui-là, voilà, j'ai acheté ces fleurs, petites fleurs. Alors bien sûr à la fin de la vidéo je vous mettrai des petites vidéos que j'ai fait dans le magasin parce que j'ai pas tout pris, hein, j'ai pas tout acheté dans le magasin. Il y a des photos, des vidéos je crois, mais bon, faut que je fasse le montage. Donc là je filme la vidéo le soir, mais la vidéo vous l'aurez sûrement que le lendemain matin, parce que s'il faut faire le montage c'est un peu long et du coup je pourrais pas quoi. Bon, écoutez, je vais ouvrir à la minette, je vais arrêter, non, ça va me faire faire une coupure encore et un montage. Là, ces dice, je ne les avais jamais vus. C'est pour ça qu'à la fin de la vidéo, je vous montre, il y a d'autres dice que je n'ai pas pris, parce que bon, je n'en avais pas l'utilité. Je ne les avais jamais vus, ceux-là, chez Action, enfin, je ne sais pas, en haul, comme celui-là, par exemple, je l'aime bien. Après, peut-être qu'il y a longtemps qu'ils y sont, j'en sais rien, je regarde pas tous les hauls, hein, je ne peux pas vous dire, hein, mais voilà, donc il va falloir que j'aille ouvrir. Hein, bon. Et puis, il y avait ces petits blocs de texture, enfin, celui-là, c'est texture. Vous verrez à la fin de la vidéo, j'ai mis les autres. Moi, j'ai pris celui-là, parce que moi, la texture, j'aime beaucoup tout ce qui est texture. J'aime bien. Ben, on voit tous les modèles qui sont dessus, là, devant. On voit les différents modèles, mais moi tout ce qui est texture j'aime bien, et à la fin il y a plutôt du uni, moi plus ou moins gris. Là il y a une imitation bois clair, là ça fait un peu des comme des feuilles, je sais pas trop, vous voyez là c'est plutôt uni, hein. Mais voilà, là ça fait sable, voilà la plage pour cet été. Voilà, là vous avez un peu d'imitation un peu marbre. Là vous avez plusieurs. Alors à chaque fois il y en a plusieurs. Il y en a, par exemple là, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. À chaque fois vous avez cinq modèles. Cinq feuilles, oui. À chaque fois, vous voyez. Moi j'aime bien tout ce qui est texture. C'est un peu uni, un peu. C'est un peu passe-partout, quoi. Donc ça j'aime bien. Vous voyez, là, vous avez une espèce de faux cuir. Voilà, ils sont pas mal. Pourquoi je vois un truc là-dessus et il n'y est pas, là?
devant. Non, même pas. Ah, oui, je disais, tiens, je vois pas le espèce de tricot, là, de pullover, je sais pas quoi. De torsade. Voilà, et en gros bloc, je vous montre à la fin quelques blocs. Pas tous, mais là, j'en ai pris qu'un. Parce que des blocs, j'en ai déjà... Faut que j'arrive à passer tout ce que j'ai. J'en ai pour jusqu'à la fin de ma vie, je crois. Mais celui-là, par contre, il m'a tapé dans l'œil. Parce que les couleurs, je trouve qu'elles sont assez... ça change. Ça fait vert, un peu vert, tendre. Voilà, j'ai bien aimé cette couleur. J'ai dit, oh, ça change. Vous savez que moi, j'aime toutes les couleurs. Donc, j'ai pas de problème avec les couleurs. Et là, je sais pas pourquoi. Celui-là, il m'a tapé dans l'œil. J'ai dit, oh, il est joli ce... On va le regarder ensemble. Je vais vous passer sur mes mains. Peut-être que ce serait mieux. Ah oui, puis j'ai pris cette colle. Vous connaissez hein, cette colle. Colle transparente, je la prends tout le temps. C'est une colle que vous avez l'habitude de voir avec moi. Alors là, vous avez du blanc avec des espèces de petites taches. C'est très subtil. Une espèce de petit feuillage. Et là, c'est en foil. Ça brille. Là, c'est des petites tasses. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est des petites tasses, c'est très fin. Vous voyez, c'est pour ça qu'il m'a plu, je pense, parce que du fait que ça soit assez des couleurs tendres, avec des motifs assez fins, comme ça, je trouve que ça va passer partout. Mais viens là! On ne va pas y arriver avec elle. Feuillage aussi en foil, là. Oui, ça, c'est joli aussi. Regardez. C'est beau, ça, hein? Hein. Voilà, il y en a deux, comme ça. Là, c'est avec des petits pois. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est des petits pois. Vous voyez, c'est très discret. Ben là, ils sont en relief. Très, très discret. Et j'aime bien ces couleurs un peu... Je ne sais pas, c'est une espèce de vert, mais tendre. Et puis, pas vraiment vert, un vert gris, je ne sais pas. Je trouvais que ça changeait. Voilà, il me plaisait celui-là. C'est le seul, hein, les autres... Pouf. Ah si, il y en avait un peut-être avec des couleurs marron, ça changeait un peu aussi le marron, mais bon, je dis, moi j'en ai tellement des feuilles que je ne peux pas prendre à chaque fois tous les blocs, hein, toute la collection, là, parce que avant que j'ai passé déjà les miens, j'en ai déjà pour un moment. Des petites fleurs, c'est mignon comme tout ça, ces petites fleurs. Vous voyez, c'est vraiment tendre, très discret, voilà, ça passera partout, je pense. Les mouches qui m'embêtent, voilà. Donc, voilà, pour... alors ça, je vous montre à la fin de la vidéo, vous verrez d'autres modèles que celui-là. Moi, j'ai pris que celui-là, donc c'est pour ça que je vous montre à la fin de la vidéo d'autres. Là, les dies, c'est pareil, j'en ai pris d'autres. J'ai pris que ceux-là, pardon. Mais il y en a d'autres. Donc, c'est pour ça, regardez jusqu'à la fin, vous verrez, je vais vous faire le montage. Ces petites fleurs qui sont mignonnes comme tout. Voilà, bon, mon grand regret, c'est de ne pas avoir de classeur d'embossage. Je trouve que à Action, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de classeur d'embossage. Ça me manque. Moi, j'aime bien les classeurs d'embossage. C'est un truc que j'aime bien. Donc, ça me manque. Voilà, encore un die. Si YouTube pouvait me faire un... Non, alors ça, non. Si YouTube pouvait me faire un arrêt là-dessus, ça serait bien. Sans la mouche, ça serait encore mieux. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai pris dedans? Le reste, c'est tout de la bouffe, j'ai pris du dentifrice, des choses comme ça, du gel douche, ouais, des choses basiques, quoi. Je ne vous ai pas dit les prix, hein. Je crois pas, hein. Non, je ne vous ai pas dit. Donc les rubans, je vous ai dit, hein, 94 centimes, ça c'est 99 centimes. Elle m'énerve cette mouche, puis elle ne me lâche pas, hein. Ah, j'avais acheté des bougies. Elles sont là. Oui. J'avais acheté des bougies aussi. J'adore celle-là. Le parfum de celle-là, là. Coton, je ne sais pas quoi, là. J'en ai acheté une autre. Elle est là. Ah non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà, celle-là aussi, je trouve qu'elles sont bonnes. Je prends toujours ces parfums comme ça. Moi, j'aime bien. J'ai pris du Whiskas, voilà. Alors, je crois que celle-là, elle est à 1,57€. Et celle-là, elle est à 93 centimes, il me semble. Elle est plus petite. Les glaçons, je ne sais pas si je vous ai dit. 82 centimes. Voilà, parce que je vois le prix, c'est pour ça que je me dis, tiens, je ne l'aurais pas dit le prix.
Voilà, le reste c'est des biscuits, machin, ouais, on s'en fiche. Mais j'avais une autre note, parce que j'ai dû y aller deux fois à cause d'un problème. Non, bon, tombé. Voilà, écoutez, action, c'est tout. Je vais vous refaire un autre haul, mais plus tard, parce que je vais aller à Noz, et du coup, je vous ferai un haul de Noz. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous, et je vous dis bah, à la prochaine vidéo. Hein. Ciao, bisous, bisous. Excusez-moi, mais je ne suis pas du tout douée pour filmer dans les magasins. Je n'ai pas l'habitude. Vous voyez, ceux-là, c'est Dice, je ne les avais jamais vus. Celui-là, on dirait des timbres poste. Je ne sais pas, alors, ça se trouve, il y a longtemps qu'ils y sont, mais moi, je ne regarde pas tous les hauls. Hein. Voilà, donc j'ai trouvé ces Dice, j'ai dit, tiens, il ne semblait pas les avoir vus ailleurs. Mais je ne peux pas vous dire s'il y a longtemps qu'ils y sont, s'il n'y a pas longtemps, j'en sais rien. Ceux-là, je ne les ai pas achetés, vous voyez, parce que bon... J'ai déjà des dice qui ressemblent un peu à ce style. Je trouve que, voilà, ça tourne un peu en rond, là, les dice. Donc, du coup, non, je n'ai pas acheté. Voilà, il y avait ces espèces de ovales, là, avec des flèches. Je ne voyais pas trop le rapport, mais enfin, bon. Celui-là, encore, à la limite, était pas mal. Mais j'en ai plein, des dice carrés. Voilà. Après, il n'y a que la forme qui change. Là, ça faisait des petites croix à l'intérieur. Là, c'était pas mal, mais bon, c'est pareil. Encore des dice carrés. Voilà. Après, il y a des petites fleurs, toutes mignonnettes. Voilà, des petites roses avec des petites fleurs. C'était sympa, ces petites fleurs. Voilà, pour 1,45€, toujours les fameuses peintures. Mais je pense que ça, c'est pareil. Hein, c'est du vu et du revu. Voilà, et il y avait des lettres. Voilà. Des lettres, des chiffres, des lettres, voilà. Ça, pareil, je n'en ai pas pris, hein, j'en ai plein. Alors, ça, c'est les petits blocs que je vous ai parlé. Moi, j'ai appris le... Ça, c'est le vintage. Hein. Moi, j'ai pris la texture. Donc, c'est les autres qui avaient... Voilà, il y avait le vintage. Pour ceux qui aiment le vintage. Le lavande. Là, il y avait des photos de lavande. C'est pas mal aussi, celui-là. Les couleurs, j'aimais bien aussi, ce violet. Et le basique, c'est pas mal le basique. C'est un peu passe-partout. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Vous êtes des amours. Ciao!